Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'ai dit, fais une plainte, appelle aux policiers. Puis, elle voulait pas parce qu'elle disait que, vu que lui, c'était un gars de la GRC, qu'il ferait rien, qu'il bougerait pas, t'sais. Elle sortait, elle dirait, du trou de la misère. Puis là, encore une autre fois, la vie a tout fauché ça, là. C'était pas d'hier que ça marchait pas entre eux autres, là. Elle surveillait beaucoup, beaucoup, là. Le scénario dans lequel le crime s'est fait, là, c'est spectaculaire. Je pense qu'on voyait ça plus dans les films que dans la réalité. Le samedi 23 juin 2001, vers 22h, une poursuite automobile hors du commun s'engage sur l'autoroute métropolitaine à Montréal. Une Hyundai noire a été prise en chasse par un véhicule utilitaire sport. La conductrice de la petite auto essaie de distancer son poursuivant qui la talonne. Tout à coup, le VUS les tamponne et son conducteur tire dans leur direction. En cette veille de la Saint-Jean-Baptiste, seulement 3 patrouilleurs de la Sûreté du Québec sont en fonction sur le territoire montréalais. Par chance, l'un d'entre eux se trouve à proximité. Il décide de les prendre en filature. La conductrice de la voiture traquée, Lucie Gélina, 37 ans, connaît très bien l'homme qui l'a prise en chasse. Il s'agit d'un agent de la GRC, Jocelyn Hott, son ancien amoureux. Cette nuit-là, la cible du tireur d'élite n'est nul autre que son ex-conjointe. Lucie Gélina et Jocelyn Hott se sont connus à l'été 1995 dans un bar de Saint-Hyacinthe. Ils se sont plu immédiatement et se sont engagés dans une relation passionnelle. Jocelyn vit à Laval et Lucie à Sorel. Tour à tour, ils font le voyage pour se retrouver. Jocelyn sort tout juste d'un mariage qui a duré 22 ans. Il a épousé Louise, son premier amour, qu'il avait commencé à fréquenter à l'âge de 13 ans. Ils n'ont pas 18 ans quand naît leur premier enfant. Le jeune Jocelyn rêve de devenir agent de la Gendarmerie royale du Canada. Il passe haut la main l'exigeante batterie de tests physiques et psychologiques requises pour entrer dans ce corps de police. Dès l'âge de 25 ans, il se voit attribuer les fonctions de gendarme spécial. Pendant 3 ans, il monte la garde sur la colline parlementaire à Ottawa, devant les résidences officielles et les ambassades. Puis, il devient enquêteur. Ses responsabilités augmentent. Il est transféré au bureau de Saint-Hyacinthe, d'où il monte, entre autres, une opération d'envergure dans le monde des stupéfiants. Les journées de travail sont longues et la pression difficile à gérer. Si bien que sa vie de couple commence à battre de l'aile. En 1994, il quitte Louise et ses enfants pour une collègue de travail. Mais celle-ci lui fait bientôt comprendre que ses sentiments ne sont pas partagés. Hott n'accepte pas cet échec. Il l'appelle sans relâche et vient plusieurs fois frapper à la porte de son domicile. The real
L'homme violent veut dominer sa conjointe, à tout prix. Dans le fond, la violence conjugale camoufle un problème de contrôle. De contrôle de l'autre. La jeune femme riposte en déposant une plainte pour harcèlement sexuel. Sa plainte est retenue. Lorsque ces sanctions-là ont été prononcées, on avait eu des commentaires très sévères à l'endroit de M. Ott, avec un avertissement comme quoi si jamais un incident pareil se reproduisait, que la GRC, à ce moment-là, prendrait les mesures qui s'imposent. Jocelyn tente de renouer avec Louise, mais leur cohabitation se termine en cul-de-sac. Ces deux déceptions amoureuses ont un effet dévastateur sur le policier. Jocelyn sombre. Il a des idées suicidaires. Le diagnostic tombe. C'est une dépression. On lui prescrit des antidépresseurs. On lui retire ses armes. Il passe alors des journées entières à rédiger des rapports secrets sur des collègues qu'il soupçonne de trahison. Puis une fois que tu as la médication, ta douleur est calmée. Mais en même temps, il n'y a rien de réglé. Là. On a juste, en quelque sorte, gelé de problème. Ce n'est pas la première fois que Jocelyn Ott fait une dépression. Lorsqu'il a 11 ans, sa sœur aînée meurt des suites d'une maladie. Jocelyn fait un séjour de 2 mois en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Justine. Le traumatisme de la mort de la sœur, c'est pas le traumatisme lorsqu'elle est décédée, c'est le traumatisme bien avant, là. C'est le traumatisme d'être désinvesti par la mère, c'est le traumatisme de voir que la mère s'intéresse plus à nous. Donc, ça fait un jeune homme qui est assez vide et qui ressent toujours le besoin, par la recherche de grandiosité, à se remplir pour se consolider puis se tenir en vie. Le désespoir du jeune Jocelyn est tel qu'il tente de s'enlever la vie. À sa sortie de Sainte-Justine, on l'envoie dans un centre pour garçons en difficulté, où il reste jusqu'à l'âge de 13 ans. La même façon que la GRC l'a protégé quelque part, par la structure, par la hiérarchie, hein, on sait à quoi s'attendre, on n'est pas de surprise. Si tu ne tires pas sur le bouchon va rester là. Aucun suivi n'est fait à la suite de cette dépression, mais de toute évidence, il reste un être fragilisé. Il était traumatisé. C'est sûr que c'est un enfant qui était très perturbé déjà à l'âge de 11 ans pour avoir un comportement aussi difficile. Il a passé une phase qui s'est réglée. Hein? Il ne s'est pas retrouvé être un voleur puis un bandit. Les choses se sont tassées, il a été encadré puis est devenu policier. Ott a un point en commun avec la majorité des policiers en détresse. J'avais observé que chez beaucoup de policiers, ils avaient tous vécu une enfance où ils avaient vécu et eu des drames familiaux, des drames qui avaient apporté une insécurité, une pauvreté, ou des enfants battus. Puis, quel que soit le drame qui se vivait, ces gens-là se retrouvent tous dans un travail de policier. Bon nombre de personnes souhaitent devenir policier pour le pouvoir qu'un badge leur apportera. Sans doute qu'un badge rehausse l'estime de soi. C'est cet homme au passé complexe que Lucie Gélina rencontre dans un bar en 1995. Leur complicité est immédiate. Lucie se surprend à rêver à des jours meilleurs pour elle et ses 3 enfants, âgés de 8 à 14 ans. Une fois que tu regardes ça, tu te dis, ben, pourquoi qu'une personne traverse autant d'embûches pour aller vers la conquête du bonheur? Elle avait pris des détours très durs. Très durs. Ouais. Elle dirait, c'est une fois on parlait, elle dirait que elle a réussi à se sortir d'un trou pour tomber dans l'autre. Lucie a été adoptée à l'âge de 3 mois. À 9 ans, son père adoptif est assassiné d'un coup de fusil par un voisin dérangé. Quelques années plus tard, Lucie se met à la recherche de sa mère biologique. Son frère se souvient que cette rencontre avait été décevante. Mes parents me laissent, après je perds mon père de façon très tragique. Ça doit marquer beaucoup en dedans d'elle, là. Face à ça, là,
puis la confiance envers les hommes de la façon qu'a perdu son père, la confiance envers la vie aussi, là, je présume qu'à un moment donné, là, tu... peut-être qu'elle s'est dit, la vie, elle m'enlève tout ce que j'ai. Jocelyn est-il l'homme qui lui redonnera enfin le sentiment qu'elle peut être heureuse? Malgré la passion qui les pousse l'un vers l'autre, leur lune de miel est de courte durée. Lucie confie à une collègue de travail qu'elle trouve Jocelyn très contrôlant. Elle me contait comment ça allait, comment il était possessif, puis comment qu'elle, des fois, sentait pas bien là-dedans, tu sais. Il checkait tous ses appels qu'elle avait sur son padjet, c'est qui t'a appelé, puis tout. Fait que, elle était beaucoup, beaucoup anxieuse avec lui. Autre qu'un contrôle, Lucie Gélina, je pense que il la contrôle pas de la même façon que contrôler la collègue auparavant. C'est pas le même type d'emprise qu'il a. On dirait qu'il est plus sur le mode de peur de la perdre, de peur de se perdre. Leur relation ressemble à des montagnes russes. À tour de rôle, ils y mettent fin, mais ils reviennent toujours ensemble. Après une malheureuse tentative de cohabitation, Jocelyn se prend un appartement à quelques kilomètres de celui de Lucie. On ne l'avait jamais vu. Puis t'as pas intéressé à nous autres. Si elle était intéressée à elle, automatiquement, ben, si je t'ai intéressé à toi, je vais t'être intéressé un peu à connaître ma belle famille. En 1998, Jocelyn est affecté à la section VIP, chargée de la protection des personnalités canadiennes et des agents diplomatiques. Ils sont 110 agents triés sur le volet, dont le travail consiste à protéger les politiciens canadiens et les dignitaires étrangers en visite au pays. On peut se sentir super spécial parmi la GRC quand on est arrivé à ce niveau-là. Puis là, on défend le premier ministre, puis on protège un tel. Comme tous les membres de cette unité d'élite, Jocelyn suit des entraînements spécialisés. Conduite automobile, technique de surveillance et maniement des armes à feu. On a une formation pour utiliser l'arme de service. Alors, on a des formations pour que notre tir soit précis, pour qu'il touche à la partie adverse, pour que vraiment que ça soit en plein contrôle, puis que la personne ne puisse pas être capable de riposte. Pendant les élections fédérales de novembre 2000, Jocelyn Hotte est affecté à la protection du chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Mais il relève son plus grand défi professionnel au printemps suivant. En avril 2001, le sommet des Amériques se tient dans la ville de Québec. C'est la plus importante opération de sécurité de toute l'histoire du Canada. Tous les chefs d'État des Amériques y sont présents. Hotte est responsable de la sécurité de 9 convois. Que tu travailles avec des personnages qui sont très importants. Et tu dois protéger leur vie au dépens de la tienne. Et tous tes sens sont en état de veille, en état d'alerte. Donc tu vis un état vraiment là, de stress intense. Jocelyn fait plusieurs journées de 20 heures d'affilée. À deux reprises, il reçoit des gaz lacrymogènes utilisés pour contenir les manifestants. Il tient bon. Et son travail lui mérite une décoration. Mais il revient du sommet des Amériques, complètement épuisé. En fait, le policier qui vit, d'abord, je pense qu'il le sait. Il le sait qu'il vit, qu'il est différent d'avant, parce qu'il est usé par le stress ou il est usé par des situations qu'il a vécues, puis qu'il le sait, ça. Mais il ne veut pas le voir. Son humeur change. Il devient taciturne et s'isole, développant des symptômes similaires à ceux de sa dépression de 1994. Même Lucie note ces changements. Mais au travail, personne n'y prête attention. Il y a des signes évidents, puis il y a eu des avertissements de son comportement qui était étrange avant le drame, qui fait en sorte qu'on aurait dû agir à ce moment-là. Puis lui-même, il aurait dû aller consulter. Et je pense que ça, c'est là que ça part. Là. C'est là que tout déchire. Là. Surmené, Jocelyn prend quelques jours de vacances sans les identifier comme congé de maladie. Il faut qu'il soit capable d'exprimer ce qu'il ressent. Ils ne le font pas parce qu'ils ont comme cette,
connotation-là, c'est une erreur, je pense, de penser que je vais être capable de... je vais oublier ça, puis que je vais être capable de le gérer, puis je vais être capable de... je vais, demain matin, ça va aller mieux, je vais dormir un bon bout, puis ça va être correct. Non, c'est pas vrai. Jocelyn Hoth ne parvient plus à jouer les héros. Son amour pour Lucie Gélina devient destructeur. Jusqu'où le mènera son obsession? Dès le 7 janvier, voyez la toute nouvelle série SOS et faites-nous connaître vos héros. Peut-être aurez-vous la chance de leur remettre une bourse de 1 000 $. Consultez le magazine Dernière Heure pour plus de détails. Si une image vaut 1 000 mots, DocuD est une véritable encyclopédie. DocuD, tous les jours à 14h, à Canal D. Pour concevoir cette série, nous avons fait appel à 2 experts chimistes, un coroner, un agent secret et un ancien joueur de baseball. Nous avons défoncé 11 portes, 40 pare-brises, examiné 16 000 cercueils, provoqué 13 accidents et embouteillé 3 millions de bières également testées. Tout ça pour vous dévoiler les innovations technologiques de votre quotidien. Fallait y penser du lundi au vendredi, 17h, à Canal D. Quand un rhume pénible vous empêche de faire ce que vous aimez... faites confiance à Tylenol Rhum pour soulager vos symptômes et retrouver votre état normal. Quel que soit votre état normal. Yeah! Yeah! Aussi efficace pour le rhume que Tylenol pour la douleur, Tylenol Rhum. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Voici le Toby. Conçu pour faire disparaître les faux plis comme le font les spécialistes du nettoyage et les professionnels de la mode. Toby accomplit la tâche 5 fois plus rapidement que le fer traditionnel. Non seulement le Toby fait-il disparaître les faux plis des rideaux et tentures, il repasse et rafraîchit aussi les draps tout en éliminant les mauvaises odeurs. Vous pouvez maintenant obtenir votre Toby pour 3 paiements faciles de 33 $. Et en prime, nous vous enverrons 2 accessoires gratuits. Vous recevrez aussi gratuitement le fer à vapeur de voyage d'une valeur de 50 $. Vous ne paierez que la livraison. Appelez maintenant et obtenez le tout pour 3 paiements de 33 $, en plus d'une garantie de remboursement de 60 jours. Et informez-vous au sujet du Toby Tree pour accomplir la tâche encore plus rapidement. Cette offre n'est valable que pour une durée limitée. N'attendez pas. Appelez maintenant. Qu'est-ce que je fais ici? À Canal D, le nouvel an, c'est du sérieux. Disons plutôt sérieusement drôle. Ou drôlement sérieux. À soir, on va parler des vraies affaires! Ce qui est clair, c'est que vous allez rire pendant le réveillon. Sûr? OK. Assez. Vivez la nuit de l'humour le 31 décembre dès 23h à Canal D. Ils évoluent dans un monde à la fois magnifique et impitoyable. Faites une incursion dans l'univers animalier et voyez toute la beauté que nous réserve la nature en regardant Contact Animal, samedi et dimanche 17h à Canal D. De nature solitaire, ils arrivent difficilement à fermer l'œil. Et dans un endroit comme celui-ci, leur pouvoir se manifeste. Enfant médium, dès le 7 janvier à Canal D. Encore une fois, on s'interroge. À quoi donc servent les arts, les artistes? Encore une fois, il faut le signaler. Ils disent, méfiez-vous des vôtres. La planète pète au chaud. Encore une fois, il faut continuer à s'affirmer. Participez à l'aventure humaine. Revoyez la magnifique série documentaire d'Hugo La Tulipe. Manifeste en série dès le 11 janvier à Canal D. La relation entre Jocelyn Hoth et Lucie Gélina se poursuit en dents de scie depuis maintenant 6 ans. Au début du mois de juin 2001, le couple vit une nouvelle rupture. Cette fois-ci, c'est Jocelyn qui l'a initiée. Parce que le soir qu'il lui l'a laissé, la dernière fois, elle m'a appelé, puis je me souviens, il était très tard le soir, puis il venait d'arriver de voyage, puis elle a dit, je comprends pas, on est allé au super restaurant, on a eu du fun, puis il m'a dit, c'était fini. Il dit, vis ta vie, il dit, moi, je vais vivre la mienne. Elle m'a appelé en voyant ça, je vais toujours m'en souvenir, là. Dans les jours qui suivent, Jocelyn et Lucie se croisent à quelques reprises. Leur ambivalence amoureuse refait surface.
le 11 juin, Lucie lui propose de participer à un ménage à trois. Jocelyn y voit peut-être une occasion de renouer ou de se mettre en valeur. Il se rend dans un motel de Rosemère. Mais cette rencontre se déroule mal. Jocelyn racontera plus tard que Lucie l'a humilié durant toute la soirée. Le dégonflage après le sommet des Amériques, la déception, la séparation et surtout l'espèce de truc à trois où est-ce que là, encore une fois, il se fait dire, ben, t'es bien fin, mais j'ai besoin d'une troisième personne, comme sa mère lui aurait dit, t'es bien fin, mais là, je m'occupe de ta sœur. Sa blonde lui a dit, t'es bien fin, mais je veux coucher avec un autre gars, mais reste là aussi parce que t'es fin. Ça, tout ça fait que ça dégonfle son affaire, ça fait remonter à la surface des traumatismes. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il recherche à faire? Il recherche à remettre le plus possible sa grandiosité intacte. Il veut vivre une autre aventure du sommet des Amériques pour se remettre en place. La passion de Jocelyn tourne à l'obsession quand il découvre que Lucie a fait la rencontre d'un nouveau compagnon. C'était super fin avec elle. Il adorait ses enfants, premièrement, que ça qu'elle n'avait pas vécu ça avec M. Hott. Elle arrivait de travailler, il gardait ses enfants, elle arrivait de travailler, son souper était prêt, son bain était prêt. Elle était toute énervée de ça, de vivre ça, là. Elle n'avait jamais vécu ça, tu sais. Elle était toute énervée, fait que là, j'ai rencontré quelqu'un de bien, puis tout, elle était super contente. Hein. Jocelyn a peur que Lucie lui échappe définitivement. Il est de plus en plus désorganisé. Ses enfants, son ex et ses parents s'inquiètent. Il leur explique que Lucie le rend fou et qu'elle s'amuse à le provoquer. Il est certain de ne plus pouvoir vivre sans elle. Une fois de plus, il tente de renouer. Mais si je me souviens bien, Lucie n'était pas intéressée à renouer avec lui. Hott était furieux quand il a su qu'elle avait rencontré un autre homme. La façon dont j'ai compris les choses, c'est que ça l'a rendu vraiment furieux. Il en était très jaloux. Un jour, il se fait surprendre par le voisin de Lucie alors qu'il s'est introduit chez elle avec un double de la clé. En mode filature, Jocelyn épie tous ceux qui s'approchent de Lucie. Son obsession le pousse même à prendre en note les numéros d'immatriculation des voitures qui s'arrêtent devant sa porte. Il semble aussi au courant de ses conversations téléphoniques. L'harcèlement se fait quasiment par... C'est tellement fort que vous ne pouvez pas vous contrôler. Donc, la brèche se fait, l'hémorragie arrive, faut mettre tout de suite un band-aid dessus. Et là, on prend quelqu'un, puis on devient violent, c'est-à-dire harcelant avec elle, parce qu'on veut absolument, puis on est convaincu que s'il n'est pas toujours là, puis s'il n'est pas toujours présent, puis s'il n'est pas toujours à côté de moi, ça va continuer à saigner. Je sais qu'elle me disait qu'elle avait un bat chez eux parce qu'elle avait tout le temps peur qu'il arrive chez eux parce qu'il se promenait, il se parquait en avant de chez elle. Je crois que c'était un garage qu'il avait. Il pouvait passer des journées dans son camion à la checker, ses allées et venues. Il la suivait partout, partout. Lucie vit dans la peur. À chaque fois qu'il l'appelle, Hott tente de la culpabiliser d'avoir des amis et de voir son nouvel amoureux. Pourtant, elle hésite à porter plainte. On estime qu'en moyenne au Canada, une femme victime d'un mari violent portera plainte après 9 agressions physiques. Imaginez la difficulté de porter plainte si vous êtes la conjointe d'un policier. Votre mari a accès à une arme. Aussi, les agents répondant à votre appel au 911 sont peut-être des collègues qui ne prendront pas votre cas au sérieux. Le soir du 17 juin, Lucie rentre à la maison après une nouvelle rencontre avec Jocelyn Hott. Ils se sont encore querellés. Depuis leur nuit à trois, Jocelyn est persuadé d'avoir renoué avec elle. Mais pour Lucie, il n'en est rien. Elle préfère se concentrer sur ses 3 enfants et son nouvel amoureux.
Elle vient à peine de mettre le pied dans la maison qu'un nouveau coup de fil de Jocelyn Hott lui glace le sang. Il lui rappelle la mort tragique de son père, assassiné alors qu'elle était toute jeune. Cette fois, il n'y a plus de doute possible. Les paroles de Jocelyn résonnent comme une menace. Quand il a dit, il n'a pas dû dire sans rien, il devait être extrêmement agressif ou ce qu'il dégageait devait être énorme, là. Elle savait bien que c'était pas une farce qu'il faisait, c'était vraiment une menace de mort, là. Moi, c'est pas une information. Mon ex-copain est dans GRC, puis il a pris une autre, là. Puis là, j'ai pas eu comme des menaces de mort à soir, là, pour le savoir que je peux faire avec ça. Il s'est présenté chez vous, puis c'est ça qui vous a dit? Oui, il m'a dit, ton père s'est fait tirer, puis il m'a dit, je t'aurais donné ta dernière chance, puis ton père, il s'est fait tirer, hein. Là, c'est où que je m'en rends pour ça, là? Ben, nulle part, j'imagine, vous êtes à votre domicile, là, actuellement. Oui. On peut aller vous rencontrer. Faut pas laisser ça là, parce que faut pas, on sait jamais les agissements de ces gens-là non plus. Il est malade. Une autopatrouille de la police de Laval se dirige vers le domicile de Lucie Gélinas. Les agents vont-ils prendre au sérieux cette accusation formulée par Lucie, impliquant l'un de leurs confrères? DocuD est une véritable encyclopédie. DocuD, tous les jours à 14h, à Canal D. Pour concevoir cette série, nous avons fait appel à deux experts chimistes, un coroner, un agent secret et un ancien joueur de baseball. Nous avons défoncé 11 portes, 40 pare-brises, examiné 16 000 cercueils, provoqué 13 accidents et embouteillé 3 millions de bières également testées. Tout ça pour vous dévoiler les innovations technologiques de votre quotidien. Fallait y penser du lundi au vendredi, 17h, à Canal D. Qu'est-ce que je fais ici? À Canal D, le nouvel an, c'est du sérieux. Holy. Disons plutôt sérieusement drôle. Ou drôlement sérieux. À soir, on va parler des vraies affaires! Ce qui est clair, c'est que vous allez rire pendant le réveillon. Sûr? OK. Assez hard. Vivez la nuit de l'humour le 31 décembre dès 23h à Canal D. Plongez dans la plus célèbre des catastrophes maritimes racontées comme jamais auparavant. Titanic, le plus mythique bateau de l'histoire. Bien qu'il réside maintenant immobile, 4 km sous l'eau glaciale de l'océan Atlantique, il continue de fasciner tous et chacun. Titanic, l'exposition. Les vrais objets, la vraie histoire vous attendent au 5e étage du centre Eaton. La frontière entre votre habitat et le leur est très mince, au point qu'il leur arrive d'envahir votre propre demeure. Alors, il faut lancer une alerte animale, samedi et dimanche, 18h, à Canal D. Voici le Ab King Pro, conçu pour vous donner des abdominaux plats, sexy et durs comme le rock, plus facilement et rapidement que tout autre produit sur le marché. En effet, le système Ab King Pro vous garantit que vous perdrez 5 kilos en 10 jours ou nous vous remboursons. Ne souffrez plus au dos. Le système de support du Ab King Pro maintient votre dos et votre cou. Imaginez perdre du poids en regardant la télé. Aussi, le Ab King Pro offre 4 niveaux de résistance. Il est parfait pour tous les niveaux de mise en forme et il est pliable pour un rangement facile sous le lit. Ces grosses machines coûtent 8 000 $. Cette machine ne supporte pas votre dos. Le Ab King Pro remplace toutes ces machines. Et maintenant, avec cette offre télé exclusive, elle peut être à vous pour 6 paiements faciles de 29,99 $. Mais attendez, si vous téléphonez dans les 20 prochaines minutes, nous faisons un paiement pour vous. Appelez maintenant pour commander le Ab King Pro. Et rappelez-vous, nous ferons un paiement pour vous, alors il peut être maintenant à vous pour 5 paiements faciles de seulement 29,99 $, plus les frais de port et manutention. De nature solitaire, ils arrivent difficilement à fermer l'œil. Et dans un endroit comme celui-ci, leur pouvoir se manifeste. Enfant médium, dès le 7 janvier, à Canal D.
Encore une fois, on s'interroge. À quoi donc servent les arts? Les artistes? Encore une fois, il faut le signaler. Ils disent, méfiez-vous des vôtres. La planète fait au chaud. Encore une fois, il faut continuer à s'affirmer. Participer à l'aventure humaine. Revoyez la magnifique série documentaire d'Hugo La Tulipe. Manifeste en série dès le 11 janvier à Canal D. Dans la nuit du 17 au 18 juin 2001, vers 1h du matin, la police de Laval se rend au domicile de Lucie Gélina. Son ex-conjoint, Jocelyn Hott, un agent de la GRC, vient de la menacer de mort. Les policiers sont allés. Ils disaient qu'elle n'avait pas l'air anxieuse, que Lucie avait l'air bien et tout. Mais dans le fond, elle était très, très nerveuse. Le lendemain, elle est arrivée, elle n'avait pas dormi de la nuit. Les policiers notent sa déposition. Lucie leur raconte que Jocelyn possède une arme de service et qu'il est dans un état émotif instable. C'est sûr que quand il lui a fait cette menace-là, elle a pris ça bien au sérieux. Parce que si elle a pris la peine de lui dire ce secret-là, le tabou de la famille, c'est qu'elle en avait confiance et qu'elle devait l'aimer, là, parce que jamais, moi, je suis parti et dis ça aux autres, là, qu'est-ce qui est arrivé. Là. C'est sûr que lui, quand il a lâché, ah, m'a fait comme ce qui est arrivé avec ton père, ben elle, dans sa tête, tout le film, là, sa jeunesse s'est tout déroulé jusqu'en novembre 73. Puis elle l'avait vu en 73, c'est ce qui est arrivé. Elle a eu peur à elle, c'est sûr, c'est sûr, là. Mais, après avoir raconté toute son histoire, Lucie se ravise. Elle décide de ne pas porter plainte. Les policiers sont restés une demi-heure dans la maison. Ils se rapportent à la centrale. Terminé, non fondé. Les policiers n'ont jamais rédigé de rapport sur cet incident. Dans leur carnet, ils ont noté de façon succincte « non fondé, manipulation ». Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que Hott tentait de manipuler Lucie? Ou plutôt, Lucie tentait-elle de manipuler la police? On ne le saura jamais vraiment. Mais ce que nous savons, c'est que la police est allée sur place très brièvement et n'ont pas offert, et ils disent avoir offert de l'aider. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas contacté la GRC. Ils n'ont pas essayé de savoir ce qui s'était passé, d'en savoir plus sur Hott et son état mental. Après cette courte visite, ils ont laissé tomber. Si la GRC avait été moindrement contactée par la ville de Laval pour connaître qui est M. Jocelyn Hott, parce qu'il y a un problème, je pense que la GRC aurait tout de suite réagi. Et on aurait, à ce moment-là, je pense, retiré l'arme de service de M. Hott. Le 19 juin, Lucie passe la nuit chez son nouvel amoureux. Le lendemain, Hott, qui semble l'avoir attendu toute la nuit, la traque jusqu'à la résidence pour personnes âgées, où elle travaille comme préposée aux bénéficiaires. Puis la levée, dit « Carole, Carole, vite, vite, elle dit, viens voir, elle dit, elle est là. » Je dis « Qui ça? » Mais elle dit « Jocelyn. » Elle dit « Elle est là, elle dit, viens voir. » Fait que là, elle est venue blanche, puis elle tremblait comme une feuille, là. Elle avait comme peur qu'il rentre dans la bâtisse, là. C'était la première fois qu'il venait virer directement au travail là, pour la checker. Là, il a fait le tour de son auto, il a embarqué dans son auto, puis il est parti. Fait que ça elle a vraiment pas le trouvé drôle, cette journée-là. Lucie refuse de laisser Jocelyn prendre le contrôle de sa vie. Elle s'occupe de ses enfants et se prépare à déménager. On aurait dit que là, c'était sorti du trou, puis que là, c'était comme pris en main, puis que là, je fonce dans la vie, puis elle s'était pris un bel appartement, elle avait une job gratifiante, tout, puis
Le 22 juin, Lucie laisse un message à sa mère. Même si elle est résolue à voir le bon côté des choses, Lucie ne cache pas complètement son inquiétude. Là, j'ai des bonnes nouvelles, là. Ça va mieux, tout ça. Puis je me suis fait un copain, fait que, en tout cas, ça va pas mal mieux, là. Il y a juste que l'autre, là, il arrête pas, là, de m'achaler, puis je suis pas mal sénère avec ça, là. Fait que, en tout cas, il y a juste ça, là. Mais, pour être ça, là, les enfants ont fini l'école, puis aujourd'hui, là, fait que, t'embrasse, puis on s'en repart. OK? Bye-bye. Cette fin de semaine-là, m'avait demandé d'aller à Saint-Jean, Montréal, avec elle. Puis cette journée-là, moi, je déménageais avec mon conjoint. Ben, je l'ai appelé, je dis, garde, je pourrais pas y aller. Fait que demande à ton voisin qui était avec elle, avec son cousin. Lui est avec son cousin, ceux autres sont allés à ma place. Lucie hésite, mais elle décide finalement d'aller célébrer avec son voisin Hugues Ducharme, son cousin Pierre Mainville et David Savard, un ami. Il prévoit passer la soirée dans un bar de Montréal. Lucie reste anxieuse. Elle est certaine que Jocelyn, dissimulé quelque part, les observe. Son voisin tente de la rassurer, convaincu qu'elle s'en fait pour rien et qu'un policier ne dépassera jamais les limites permises par la loi. C'est Lucie qui a raison. Jocelyn est bel et bien au poste dans son véhicule. Quand il constate que Lucie a du bon temps sans lui, il perd le contrôle. C'est complètement la violence qu'il gère. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Puis à partir de là, c'est dans... Il est dans l'obsession, puis c'est l'obsession qui tue. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire. Il prend la route, la pédale au plancher, et se dirige vers son quartier général situé à 25 km de chez Lucie. Il y récupère son arme de service, un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm. Aucune règle ne lui interdit de porter son arme lorsqu'il n'est pas en devoir. Il empoche deux chargeurs qui contiennent de 7 à 8 balles chacun. Il salue un collègue au passage, comme si de rien n'était. Je pense que c'est mélangé, c'est confus pour lui quand il dit « je vais aller chercher mon arme pour au cas qu'il arrive quelque chose ». C'était en même temps pour se dire « l'arme que j'ai, quand je porte mon arme, je sais ce qui je suis. Je suis un gars de la GRC, service et des... protection des dignitaires, je suis quelqu'un de fort, ça me donne une certaine grandiosité. » Jocelyn revient à son poste juste à temps pour voir Lucie et ses trois amis quitter l'appartement et monter dans la voiture. Quelques minutes de plus, et Jocelyn aurait perdu la trace de son ex-conjointe pour la soirée. Lucie démarre. Jocelyn la suit. Il les a suivis pendant un moment, puis il a allumé ses phares. Elle a alors réalisé qu'elle était suivie. Voyant qu'il la suivait, Lucie s'est alors rangée sur l'accotement. Lucie convainc ses amis que la meilleure chose à faire est d'aller lui parler. Elle est sortie de sa voiture et est allée à sa rencontre. Apparemment, ils ont discuté. Elle l'a invité à fêter la Saint-Jean-Baptiste avec eux. Jocelyn accepte de les accompagner pour la soirée. Ils retournent chacun dans leur voiture et reprennent la route. Au bout d'un moment, Jocelyn fait à nouveau signe à Lucie de s'arrêter. Il voulait retourner chez lui pour se changer. Il avait travaillé au jardin de ses parents et ses vêtements étaient sales. Il a donc essayé de les arrêter avec un appel de phare et en gesticulant comme ça. Mais Lucie n'a pas compris.
et a continué sa route. Jocelyn ne supporte pas d'être ignoré. Sa rage explose. Les deux véhicules sont maintenant sur l'autoroute 13 Sud. Tu sais, c'était un garde du corps d'un homme politique connu. Fait que c'est du monde qui sont susceptibles de recevoir une claque sur la gueule. Il sait très bien que s'il y a une claque qui se présente, c'est sa gueule à lui, il faut qu'il mette là. Fait que nous, on se disait, c'est comme un chien de garde en laisse, il est toujours prêt à attaquer. Il était mindé, puis là, laisse pas à sauter. Il avait déjà tout emmagasiné en lui. Il ne suffisait que l'élément déclencheur, d'après moi, là. Le fait qu'il a vu Mme Gélina à travers la fenêtre a fait, et je veux insister là-dessus, ça a été l'aspect peut-être pas déclencheur, mais tout d'un coup, ça a été l'allumette qui a fait allumer un paquet d'autres choses chez lui. Puis là, il est dedans, il est avec son gun, puis là, soudainement, il vit une situation dans laquelle il a appris à exceller. Ott met en pratique ce qu'il a appris dans ses formations spécialisées. Des rafales de balles s'abattent sur la voiture de Lucie Gélina. Dès que son chargeur est vide, Jocelyn recharge son arme. Il tire à 15 reprises, alternativement de la main droite et de la main gauche, en fonction du meilleur angle de visée. Les balles transpercent la carrosserie et atteignent les passagers à plusieurs reprises. C'est des jeunes qui étaient au début de leur vie, qui avaient une belle carrière prometteuse devant eux autres. Tout allait bien dans leur vie. Mais un tireur d'élite ne veut pas abandonner avant d'avoir réussi sa mission. Il s'approche à près d'un mètre de la voiture et tire jusqu'à ce qu'une balle blesse Lucie à la tête. Le véhicule noir s'écrase contre un muret de béton et s'immobilise. Moi, si j'étais là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas raison de faire ça, mais c'est une chicane d'adulte. Mais c'est les enfants qui paient pour la chicane d'adulte là-dedans, là. Son gars, ses deux filles, eux autres ont un fardeau plus pesant que le mien, d'après moi, là. Moi, c'est ma sœur, mais eux, c'est leur mère, là, qui ont perdu, là. Jocelyn Ott continue sur sa lancée, avec les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, témoins de la scène, à ses trousses. Qu'est-ce qui va mettre un terme à sa course folle? Si une image vaut mille mots, DocuD est une véritable encyclopédie. DocuD, tous les jours à 14h, à Canal D. Pour concevoir cette série, nous avons fait appel à deux experts chimistes, un coroner, un agent secret et un ancien joueur de baseball. Nous avons défoncé 11 portes, 40 pare-brises, examiné 16 000 cercueils, provoqué 13 accidents et embouteillé 3 millions de bières également testées. Tout ça pour vous dévoiler les innovations technologiques de votre quotidien. Fallait y penser du lundi au vendredi, 17h, à Canal D. Plongé dans la plus célèbre des catastrophes maritimes, Titanic. L'exposition, les vrais objets, la vraie histoire vous attendent au 5e étage du centre Eaton. Qu'est-ce que je fais ici? À Canal D, le nouvel an, c'est du sérieux. Disons plutôt sérieusement drôle. Ou drôlement sérieux. Assoir, on va parler des vraies affaires! Ce qui est clair, c'est que vous allez rire pendant le réveillon. Sûr? Sûr. OK. Assez. Vivez la nuit de l'humour le 31 décembre dès 23h à Canal D. Et si vous preniez la journée pour vous remettre sur pied? Bénilin se charge de vos symptômes du rhume. Le reste dépend de vous. Prenez une journée, Bénilin. Ok, ça va commencer. Tout le monde! 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2%! Les agents Proprio Direct qui vendent à partir de seulement 2% vous souhaitent une bonne année. Êtes-vous allé chez Brick dernièrement? Est-ce que Brick est sur votre liste?
Encore une fois, Brick nous en met plein la vue. Achetez n'importe quel ensemble matelas et sommiers posturpédiques de Sealy et obtenez gratuitement une carte cadeau Samsung électronique pouvant atteindre 1 000 $. Imaginez tout ce que vous pourriez vous acheter. Téléplasma ou ACL, lecteur Blu-ray, caméscope, caméra numérique. Pas de paiement pendant 15 mois. Prenez avantage de notre garantie satisfaction 90 jours. Au Québec, Brick est imbattable. Moi, j'ai toujours dit que j'en retournerai sous terre quand je serai mort. De nature solitaire, ils arrivent difficilement à fermer l'œil. Et dans un endroit comme celui-ci, leur pouvoir se manifeste. Enfant médium, dès le 7 janvier à Canal D. Encore une fois, on s'interroge. À quoi donc servent les arts? Les artistes? Encore une fois, il faut le signaler. Ils disent, méfiez-vous des vôtres. La planète pète au chaud. Encore une fois, il faut continuer à s'affirmer. Participez à l'aventure humaine. Revoyez la magnifique série documentaire d'Hugo La Tulipe. Manifeste en série dès le 11 janvier à Canal D. À Montréal, une fusillade spectaculaire vient d'avoir lieu sur l'autoroute métropolitaine. Jocelyn Hott, un agent de la GRC, a poursuivi le véhicule de son ex-conjointe sur une distance de 13 km et l'a criblé de balles. Ironiquement, Hott ne s'est jamais servi de son arme en devoir. Les secours arrivent rapidement. Les quatre passagers du véhicule noir sont dans un état critique. Hugues Ducharme a reçu 3 balles, dont une a traversé sa mâchoire. David Savard a été atteint de 2 balles au bras gauche. Quant à Pierre Mainville, une balle est entrée par son omoplate droite et a fracassé sa colonne vertébrale. Pour Lucie Gélina, il est déjà trop tard. L'analyse balistique révèle qu'elle a été atteinte de 5 projectiles. Celui qu'elle a reçu à la tête lui aura été fatal. J'ai perdu une partie de moi-même. J'ai comme arrêté de sourire. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de moi-même. Toutes les belles activités que je fais, on part en famille, on fait du ski, on fait du camping, puis tout. Puis là, je me dis, oh, elle aurait pu vivre ça, elle aussi, avec ses enfants. Jocelyn continue de filer, la voiture de la Sûreté du Québec à ses trousses. C'est au moment où il s'arrête tout bonnement dans une station-service pour s'acheter une boisson gazeuse qu'il se fait intercepter. Jocelyn Hott est amené au poste. Quand il apprend la mort de Lucie, il tombe des nues. Vous êtes arrêté pour le meurtre de Lucie. Oh, je vous dis. Vous avez le droit de garder le silence. Jocelyn Hott est accusé du meurtre prémédité de son ex-compagne et de tentative de meurtre sur les 3 passagers du véhicule. Avant la tenue de son procès, il subit des évaluations psychiatriques. Hott est suspendu de ses fonctions tout en continuant de toucher son salaire. Le procès s'ouvre. Jocelyn Hott reconnaît avoir appuyé sur la gâchette, mais ses avocats invoquent le fait qu'il était dépressif pour expliquer son geste. Quelqu'un déprimé, peux-tu faire un acte complètement irresponsable, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il fait du tout, sans être psychotique ou malade mental, épouvantable? Est-ce que c'est possible ou pas? Pendant son témoignage, Hott déclare qu'il se souvient uniquement d'avoir tiré le premier coup de feu. Ensuite, c'est le noir total. Il contredit ainsi une déclaration faite peu de temps après le drame. Il disait alors que Lucie Gélina était sa cible et que tirer sur elle l'avait libérée. Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé? On ne le saura jamais. Affirmer qu'on ne se rappelle plus pour convaincre un jury qu'on est bon citoyen, c'est un moyen comme un autre de se défendre en cour. Durant tout le procès, sauf à l'écoute de l'appel au 911, Hott ne manifeste aucune émotion.
Il met toute la responsabilité du drame sur Lucie qui, dit-il, jouait avec ses sentiments. À chaque fois qu'il essayait de rompre, c'est elle qui revenait à la charge avec des avances sexuelles. Puis c'est sûr que c'est dur parce que là, ils sortent tout, hein? Tout le passé de notre famille, tout le vécu de ma sœur. Le jeu, je dirais que c'est toujours de saler la victime pour essayer de blanchir le plus possible l'autre. Mais dans le fond, là, pourquoi blanchir l'autre? C'est pas ma sœur qui a essayé d'y faire mal, là. C'est lui qui a fait mal. Le procès s'étend sur 2 mois. Les proches de Lucie craignent le pire. Ils n'ont pas oublié le sort réservé à Harry Long, le meurtrier du père de la jeune femme. Maman n'est pas bien, bien extrovertie. Sa crainte, c'était qu'il s'en sorte. Puis là, elle disait tout le temps, faut pas qu'il s'en sorte, lui-là. Là. C'est la prison à vie, voyons donc, un geste de même. Puis ça, c'était une de ses craintes. Elle avait vraiment peur que ça fasse comme Harry Long, que non coupable, cause d'aliénation mentale passagère. Elle avait bien peur que ce soit ça. L'enregistrement de l'appel au 911 donne la mesure de l'état de panique des occupants de la voiture et crée une véritable commotion au tribunal. Les survivants du drame viennent témoigner de leurs séquelles permanentes. David Savard et Hugues Ducharme ont subi plusieurs opérations. Les séquelles physiques et psychologiques de l'accident ne leur permettent plus de travailler. Atteint à la colonne vertébrale, Pierre Mainville est aujourd'hui paraplégique. Le procès se transforme ensuite en débat d'experts sur l'état mental de Jocelyn Hoth au moment du meurtre. Était-il ou non responsable de ses actes? Le fait qu'il soit retourné à ses quartiers généraux chercher son arme, transforme-t-il son crime en meurtre prémédité? Hoth prétend qu'il a voulu se protéger des hommes qui étaient avec Lucie et qu'il ne connaissait pas. Si quelque part, il n'y avait pas un scénario qui s'est commencé à rouler dans sa tête sur lequel il agissait, je pense qu'il aurait pris le temps, il a dit, OK, elle, là, j'en ai soupé, là, je vais l'éliminer, mais je vais m'arranger pour que ça se fasse de façon, peut-être pas discrète, mais pas de façon aussi spectaculaire. Ça s'est jamais vu au Québec, un truc comme ça. Les membres du jury demandent à réentendre le témoignage des experts en santé mentale afin de bien mesurer la responsabilité de Jocelyn Hoth. La conclusion puis la condamnation a dit non, c'est pas possible. Hein? Je pense que la citation qu'a faite les manchettes, comme vous savez, c'est la dépression n'est pas un passeport pour le meurtre. Le verdict tombe après 16 heures de délibération. Hoth est reconnu coupable du meurtre prémédité de Lucie Gélina et de tentative de meurtre des 3 passagers. Il prend le chemin du pénitencier pour la vie. Dans son jugement, l'honorable John Gomery se montre sévère à l'endroit de la police de Laval. Le juge Gomery s'est montré déçu du travail des policiers de Laval. Selon lui, ils ont pratiquement refusé d'assister une femme qui appelait à l'aide. On dit parfois qu'il faut un drame pour changer les choses. Or, on a connu des tragédies semblables avant celle-ci. Après le drame, j'ai interviewé un officier de la GRC. Il m'a informé que les politiques d'intervention auprès du personnel ne seraient pas modifiées. Et cela, même si Hoth présentait des signes évidents de dérapage et que cette tragédie aurait pu être évitée. Ce drame serait-il arrivé si la police de Laval ou les proches de Jocelyn Hoth avaient avisé la GRC? Un suivi psychologique aurait-il fait la différence? On travaille, nous autres, on a des jobs ordinaires, puis des fois, on accumule un stress. Mais moi, là, c'est ma job, là. Quand ça va pas, je peux prendre le 2x4, puis laisser la cratère, puis me faucher après. Mais là, c'est le job, ils peuvent pas se faucher après. Quoi qu'ils travaillent. Fait que des fois, c'est qu'il aurait eu besoin d'un aide externe, là. Ou d'un 2x4 pour fesser dessus. Bien solide dans son fauteuil roulant, Pierre Mainville s'est mis à l'escrime.
En janvier 2008, en Coupe du monde d'escrime en fauteuil roulant en Allemagne, il remporte une médaille de bronze. Même si sa résilience est un exemple, les séquelles dont lui, les survivants de la fusillade et les proches de Lucie Gélina sont affectés sont innombrables. Sa photo me suit toujours. J'en ai une dans ma chambre, j'en ai une sur la tablette, j'en ai une dans mon portefeuille, j'en ai une dans mon auto. En avant, juste dans mon windshield, là, j'en ai une, puis j'y parle. Aide-moi, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis je sais qu'elle est là, puis je sais qu'elle me protège. Le geste de Jocelyn Hoth a ébranlé la confiance du public envers ses forces policières. Malgré leur image de héros, les agents de la paix devraient être les premiers à consulter en période de crise. Et le système devrait avoir l'intelligence de les y encourager. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Vous vous apprêtez à découvrir un drame terrible. Il y aura des victimes, mais aussi des indices essentiels à l'enquête. Des gens aux témoignages stupéfiants se présenteront à vous. Grâce à tous ces éléments, vous ferez peut-être la lumière sur ces scènes de crime. Dans un instant, au Vendredi policier.